peki sanga na koma miso pai pai kolula oyo pesa na basusu tatale kulu se pai no se utaka azua oyo pesa na baninga Jésus-Christ,
vivant. Tu es présent, Seigneur. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Tu n'as rien à prouver, ton sort. Depuis le commencement, tu as démontré l'étendue de ta puissance, de ta grandeur. Et cette puissance a fait de nous des hommes bénis, des hommes comblés. C'est pourquoi ce soir nous pouvons être fiers de te célébrer et de glorifier. Béni soit ton Saint-Nom, l'homme de Galilée. Oui, c'est toi le plus grand de Dieu. Alléluia. Ce soir, je lève ton Saint-Nom. Je te glorifie. Ce soir, je bénis ta présence. Je salue ta présence au milieu de nous. C'est un honneur pour moi, un privilège. Non pas une mérite pour moi, les rois. D'être là devant ton peuple pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je suis là pour toi, éternel. Je suis devant ces hommes et là pour toi et pour toi seul. Que j'ai dit que tu crois, éternel. Fais ton œuvre au milieu de ton peuple. Parle à ces hommes et femmes qui ont tout abandonné pour venir t'écouter, toi, le véritable Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, ô Saint-Esprit. Bienvenue au milieu de nous. Tu es vivant. Tu es présent. Tu es là pour glorifier Jésus, le Fils du Dieu vivant. Lui seul mérite notre louange. Lui seul mérite notre adoration. Louange à toi, Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous amènes depuis le début de la semaine à comprendre tout ce que tu as donné à l'Église. Ce don précieux, ce potentiel. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Prenons place. Un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend Martin, pour l'invitation, la confiance. C'est vrai comme l'ancien Léonard a déclaré tout à l'heure, je me sens chez moi à Châtelet. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a des grands événements, l'homme de Dieu me fait confiance pour venir apporter ma pierre à l'édifice. Nous célébrons l'éternel ensemble, nous glorifions le roi des gloires ensemble. Amen. Et depuis le mercredi, nous sommes richement bénis. Nous sommes comblés de toutes ces richesses et toutes ces grâces que Dieu a déposées dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que le premier soir, le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a encouragé. Le Seigneur m'a fortifié. Dieu m'a parlé. Alléluia. Et hier encore, c'était extraordinaire. Ce ne sont pas juste de mots, de formes, de politesse. Mais je vous dis, c'était extraordinaire de voir comment l'Éternel a bombardé nos cœurs avec sa parole. Alléluia. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, nous a parlé encore de la part du Seigneur. Il a dit quelque chose que nous sommes tous différents. Alléluia. Nous sommes tous différents les uns des autres. C'est pourquoi ce que je vais apporter à l'Église aujourd'hui est différent de tout ce que nous avons entendu. Alléluia. C'est ça notre Dieu. C'est un Dieu de diversité. Alléluia. Les grâces qu'il a communiquées dans nos vies sont différentes. Tout ça pour contribuer à l'avancement de son royaume. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans notre texte qui est sur les affiches des flyers, Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Est-ce que quelqu'un dans la salle a trouvé le texte et peut nous faire la lecture? Jean chapitre 14, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu, l'Évangile selon Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi sera aussi, fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père.
Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, Jésus-Christ, alléluia, amen, il va accomplir, il va faire, réaliser le œuvre que je fais. Et Jésus-Christ annonce quelque chose qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité en disant ceci. Il en fera le plus grand. Alléluia. Le dernier, je disais ceci. Ce texte de Jean chapitre 14, verset 12, c'est un message prophétique que Dieu a donné à l'Église. Alléluia. C'est un message prophétique. Il s'adresse à ses hommes à qui il va confier une grande mission, celui d'évangéliser les nations. Celui de perpétuer le travail qu'il avait commencé. Jésus-Christ était en train d'investir le potentiel dans la vie de ses hommes. Alléluia. En leur disant ceci, en vérité, Jésus-Christ était en train de sceller la parole en disant en vérité, je vous le dis, c'est moi le Messie qui déclare ces choses. C'est moi cet homme avec qui vous avez été pendant ces 3 années. Vous avez vu les œuvres que je vous ai accomplies. Laissez-moi vous dire, ces œuvres que vous m'avez vu faire, vous allez le faire. Alléluia. Vous allez le faire. Et ça, il n'y avait rien d'extraordinaire en cela. L'extraordinaire vient après. Quand il dit, vous allez en faire le plus grand. Alléluia. Vous allez atteindre les contrées que je n'ai pas atteintes. Vous allez toucher les nations que je n'ai pas touchées. Vous allez toucher les générations futures qui vont se présenter devant vous. Vous allez leur parler de ce que j'ai parlé. Et vous allez accomplir de merveilles. J'insiste les amis en disant, c'est un message prophétique que Jésus-Christ a donné à l'Église. Alléluia. L'Église a reçu le mandat de la part du Seigneur. Je ne veux pas parler